Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de notre incroyable aventure sur Horizon 2 Forbidden West. Installez-vous confortablement, mettez en 4K 60 FPS, ce jeu est toujours fantastique, j'ai 4 milliards de questions en tête et on va essayer d'y répondre progressivement. On a une petite quête secondaire, ça fait plaisir, on la prend. Tu as un problème avec moi? Le problème, c'est les étrangers. C'est la deuxième que je vois aujourd'hui. Ne t'attarde pas trop, la terre s'en portera mieux. Ici, on n'a pas de place pour les mauvaises herbes. Je pensais que soulager la douleur de votre dieu de la terre m'aurait valu un meilleur accueil, mais... Rey va mourir de toute façon, comme chacun d'entre nous. Pendant ce temps, les étrangers viennent pour piller le peu qu'il nous reste. Comme cette chasseuse Karja que j'ai vue plus tôt, qui était habillée en oiseau et qui traînait une fille Utaru comme si c'était son esclave. Elle l'a appelée Grive. Je connaissais pas ce mot. C'est sûrement une vieille insulte Karja. Quoi? Une chasseuse Karja et une Grive Utaru? Hé, tu crois que je parle toute seule? Oui! Je les ai vues aujourd'hui, vers le sud-ouest. Elles courent à leur perte. Il n'y a pas de perce-fruits là-bas. Il y a trop de machines. Pauvre fille Utaru, quel que soit son nom. Que ses graines trouvent sol fertile. Ce n'était pas ton intention, mais tu m'aides peut-être à retrouver une amie. Merci. Garde-le, ton merci. J'en veux pas. Wow, elle va peut-être apprendre à nous parler autrement, celle-ci, là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Faire affaire avec une chasseuse, oh, je sais pas trop, voilà, hein, ça. La réserve, en vrai, la réserve, pour l'instant, on a besoin de pas grand-chose, en vrai, pour le coup. Donc, on verra un petit peu plus tard. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de quoi forger, on a de quoi saluer. C'est quoi ce village ridicule, là? Tiens, attends, ça, je vais le scanner, mon ref. Hein. Un laboureur. Putain, je peux lui éclater la gueule. On va éviter de le faire. On l'a sauvé, c'est pas pour... c'est pas pour refaire des trucs comme ça. Allez, ça, on prend aucun problème là-dessus et... On est parti, il faut qu'on arrive à trouver la sortie de cette connerie là. Ça va toi? Vous êtes bien. Ça c'est votre problème, vous êtes trop frais. Vous. Ok, là on a des bails. Comment on se barre ici? C'est quoi cette connerie? Oh, laissez-moi partir. Les articles te seront... Ah! Ah mais oui! C'est là où on était interdit d'entrer, souvenez-vous! C'était insane ici! Entrer dans leur grotte sacrée. Minerve devrait être à l'intérieur. Ok. Si je mets la main dessus, je pourrais relancer Gaïa. Alors, souvenez-vous qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Mais d'abord, je pourrais aller au sud-ouest pour retrouver une vieille amie. Je me demande comment elle va. Ok. C'est tellement beau, tellement magnifique. Vous savez quoi? Juste, on peut se poser et kiffer. C'est incroyable, vraiment. C'est incroyable. Alors, on va regarder un petit peu le plan. Là, qu'est-ce qu'on a? On a mélopé, ça c'est quand on est prêt à faire notre tout premier creuset. Beaucoup de feux de camp, beaucoup de feux de camp. On a un truc ici, je sais pas trop c'est quoi, en vrai on va y aller, c'est juste à côté. Mais surtout, on a une quête ici, ce serait pas mal qu'on y aille. On a une quête ici? What? Et on a une quête ici. Et normalement on a une quête aussi ici. Donc on va faire ça et ça, ok? Comme ça on va passer par ici, je ne sais pas trop c'est quoi ce truc inconnu. Alors attendez, on va déjà au truc inconnu. Et au pire on fera en planant. Attendez, hop, c'est juste, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Ok. Grotte. Ok. Oh, Sugoi, qu'est-ce que c'est que ça? Sugoi, on va reculer. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Une petite grotte comme ça camouflée des familles. Je dis oui, messieurs, dames. Par contre, rien d'autre. Bon, c'est déjà pas mal en vrai. Hein. C'est déjà pas mal. Écoutez, on va aller là. On va aller au feu de camp. Et on va... Ah, quoique, attendez. J'ai peut-être une idée. Regardez-moi ça. On va appeler la monture. Elle vient d'où? D'où tu viens comme ça à chaque fois? Toi, tu m'étonneras tout le temps, toi. Hop. Voilà. Alors, on va aller ici. On va passer par là.
Let's go. Let's go, let's go, let's go. Et on va activer le feu de camp. Et qui dit activer... Oh non, non, reviens par ici, bibiche. Excuse-moi. Qui dit activer le feu de camp dit qu'on va pouvoir faire une quête secondaire qui traînait. Ok. On se casse. On se casse, bibiche. On se cache, bibiche, et les problèmes. Allez. Ok. J'ai beaucoup de points de compétences qu'on va se mettre, vous inquiétez pas. On va se les faire juste après. What the fuck, c'est haut. C'est haut, haut de ouf. Là, on a un bail, pardon. Hop, là, on a un bail. Et on active. C'est cool, on prend. Ok. Là, on va passer par ici. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Tiens, tiens, tiens. Un creuset. Si j'atteins le noyau, je devrais acquérir assez de données pour piloter une nouvelle machine. Ça, c'est un creuset. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh non. Ah! C'est rien. On va survivre, bichette. Oh non. Hop, je t'ai laissé canner. C'est rien, on va survivre, bichette. On a un creuset. C'est embêtant. Et on m'a dit d'éviter de faire les creusets. C'est peut-être la prochaine quête qui nous attend. Oh non, Miskin, je crois que ma bête est morte. Elle a pu s'en sortir. Incroyable, t'es vraiment la meilleure. Tiens, je te repars. Tu mérites. Allez, viens, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse. C'est bien la personne que je crois. Quoi? C'est qui toi? Ah mais c'est elle habillée en oiseau. Ça c'est qui? T'as vu ça Milou? Il faut attendre d'avoir une ouverture. Tu veux rejoindre la chasse? Ok. Tout cela n'était pas prévu. Alors attendez. Attendez. Ok. Et bah où celle-ci? Ok. Oh les problèmes. Ok. Ça on prend. Ça on prend. Bon écoutez, ce petit imprévu, on va s'en occuper vite. Ok. Ça c'est pas mal. Oh là 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 là. Allez. C'est une belle bête ça. Ok. Ça c'est une belle bête ça. Ça c'est une bien trop belle bête. Ok. Oh c'est facile pour moi. Ah bah il vient me chercher. Allez salut mon pote hein. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qui se passe bichette? Reviens, 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 reviens. Ok. Qu'est-ce que mon voix frère? Incroyable. Toi t'es une vraie frère. Toi t'es une vraie sœur pardon. Remarque on est en 2022 hein. Et là, on est encore plus dans le futur, donc bon, j'ai envie de vous dire. Ah,
Ok, adieu mon pote. Allez, dégage. Impressionnant. Moi aussi. Viens, approche. Ok. Alors, ça, on prend. Ça, on a déjà tout pris. Et ça, excusez-moi du peu, on se régale. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre d'autre? Forcément des petits trucs très sympas à piquer à gauche, à droite. Ok, ça on prend. Ça, bien sûr qu'on prend. Ça, on démonte. Ok. On prend. On prend. Ça, on démonte. Je crois qu'on a fait une quête secondaire, en fait, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est beau jeu, ça. Ça, c'est du plaisir, ça, je vous le dis. Ok. Oh, il reste encore plein de trucs à prendre. Oh, une batterie. Allez, on prend. Ok. On prend, bien sûr. Elle est où, la bichette? Elle est là. Attendez, on va prendre ça. Voilà. Ouais, tu disais? Aloy, Nora malgré elle. C'est toi qui as vaincu Rougemort. Tu es la sauveuse de Méridian. Milou est ma nouvelle grive. Elle nous a rejoints peu après la bataille de la Flèche. Elle a eu vent des chasses que nous avons partagées. Repose-toi. Et prends des herbes médicinales pour soigner cette plaie. Que fais-tu si loin de Méridian? Les machines de l'Est sont trop faibles pour toi? Pas vraiment. Je viens chercher quelqu'un. Un chasseur Karja, qui a à peu près mon âge. Du nom d'Amadis. Il est venu tout seul ici il y a longtemps et... plus de nouvelles. Cet homme que tu recherches, c'est un autre chasseur du pavillon? Il aimerait pas t'entendre dire ça. C'est une longue histoire, mais... c'est un ancien noble. On s'est connus à la chasse, je venais tout juste de me blesser. Il m'a soigné. Et m'a aidé à repousser les machines qui menaçaient un village proche. Après ça, on s'est séparés. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Ah, oh, une autre fois. Donc, Milou est ta grive. Ça veut dire qu'un faucon peut en nommer plusieurs? Les choses ont changé au pavillon. Maintenant, tous ceux qui souhaitent devenir de bons chasseurs sont les bienvenus, peu importe leur tribu. Mais t'en fais pas. Tu restes ma grive de cœur. Tu as changé beaucoup de choses. Je tiens mes promesses de faucon soleil. Quant à Milou, elle pense qu'apprendre à chasser va aider sa tribu. Comment le lui refuser? Ah, donc tout ça n'était qu'en brouille. La dernière fois, tu avais quitté Méridian pour aller chasser une nouvelle machine. C'était des galogriffes, finalement. Un chasseur-tueur aussi. Tu disais avoir besoin de bouger. Ça t'ennuie d'être Faucon Soleil? Je venais juste de quitter la ville. J'en pouvais plus d'être coincé au milieu de toute cette bureaucratie et de ces formalités. Mais mon temps passé dans la nature m'a fait comprendre que le pavillon était plus qu'une banale salle des trophées. Nos chasseurs doivent être le fer qui protège nos civils, comme l'étaient mon père et mon frère. C'est un sacré défi. Les membres du pavillon ne me semblaient pas si ouverts d'esprit. Ils le sont. Sinon, ils se font virer. C'est ce qui va se passer, dès que j'aurai retrouvé Amadis. Ok. Je peux t'aider à chercher ton ami. Je suis sûre que tu dois avoir de bonnes raisons d'être là. Mais ça me ferait plaisir. Qu'était-il venu faire ici? Il a perdu quelqu'un de proche lors des raids rouges. Il voulait rejoindre le site des combats pour pouvoir l'enterrer. Milou et moi, nous étions en chemin. Le champ de bataille est proche. Je peux vous accompagner? Non. Rejoins l'écho de la pierre. Repose-toi et repense à la leçon d'aujourd'hui. Mais... la douleur ne fera que te distraire. Allez! Tous les chasseurs doivent récupérer de temps en temps. Oui, il faut consoler. Ce fut un honneur. Elle va s'en tirer sans personne? Évidemment. C'est ma grive. Viens. Le champ de bataille est par là. Bon, bah écoutez, on va la faire vite fait, hein. Quitte à être dans une quête, je veux dire, et puis à 200 mètres, il y a une autre quête. Oh là, oh là, oh là, oh là. Fais pas des bails comme ça, cousine. Non, ça, c'est un problème, ça. Et donc, allez. Ce champ de bataille, tu dis qu'il est lié au raid rouge.
à la bataille des Fleurs Ardentes. Amadis faisait partie de l'armée Karja qui s'est aventurée à l'ouest. Sa division a attaqué les Ténac, mais ils ont sous-estimé la puissance adverse. C'était un massacre. Je n'aurais jamais cru que tu sympathiserais avec quelqu'un qui a pris part au Raid Rouge. C'est différent, il n'était pas comme les autres. Il a tenté d'empêcher l'attaque. Ok. Depuis, il est en cavale. Haricot sauvage, tiens, tiens, tiens. Et tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose ? Ne t'en fais pas, on va le retrouver. Il m'a promis qu'il m'enverrait un message. J'ai attendu, mais... jamais rien reçu. Attends-moi par ici, Bichette. Allez, go. Oh, c'est vrai, j'ai des points de compétence à me foutre. Désolé, mon pote. On est arrivé. Ok. C'est là que les Ténac ont massacré les Karja. Alors, juste avant, je suis désolé de t'interrompre comme cela. On ira là après, là n'est pas le problème. En attendant, on va se mettre quelques points de compétence. Je pense que dans Chasseur, ça peut être pas mal. J'en ai que... Putain, j'en ai que 3. Récupérer de l'endurance d'armes plus rapidement. De l'endurance d'armes. Ok, ça c'est pas mal en vrai. Hein. Ça, on prend. C'est jamais trop. C'était quoi qui était très stylé? C'était ça en vrai, hein. Inflige plus de dégâts en mode furtif, récupère de l'endurance d'armes, inflige plus de dégâts à distance en mode furtif. Et là, on a quoi, là? Réparer les machines piratées endommagées en dépensant moins d'éclats. On reste pas dégueu. Et piège... Attendez, attendez, attendez. Ça, c'est le chef des machines. En vrai, chef des machines, c'est pas dégueu. Hein. On va essayer d'améliorer ça, maintenant. Lance un pic qui se transforme en piège. Ok. Et ça... lance un pic... à longue portée, explose à l'impact. Ok, allez, go. Go, 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 pour qu'on aille chercher ces petits trucs-là après. Je pense que c'est très, très bien pour ça. Les éléments ont effacé beaucoup de traces. Mais il reste de nombreuses empreintes. Attends, quoi ? Les techniques d'armes sont des attaques uniques puissantes qui vous offrent de nouvelles stratégies. Maintenez R1. Maintenez ou appuyez sur R1 en visant pour utiliser une technique sélectionnée. Oh, waouh. Ok. Donc par exemple, si je fais ça. Non, si je fais ça. D'accord. Très bien. On continue. Des traces profondes. Peut-être des Océram. Trop nombreuses pour savoir si Amadis était avec eux. Mieux vaut fouiller la zone. Mon focus va peut-être m'aider. Amadis était censé être seul. Que faisaient des Océram ici ? Du bois brûlé, ok. Une arme Karja. Très embêtant. La lame est rouillée. Elle doit dater des combats qui ont eu lieu il y a des années. Ça, on prend... Oh, regardez ce qu'il y a. Il semble récent. Quelqu'un a campé ici pendant au moins une nuit. Ok. Ok. Quoi d'autre? Ah. Très bien, très bien. Des traces légères. Pas au Océram, peut-être Karja. On dirait qu'il y a une piste que je peux suivre via le focus. Afficher la piste. Je crois que j'ai quelque chose. Des traces qui s'éloignent du champ de bataille. Passe devant. Ok. Voilà un peu. Je ne comprends pas. Pourquoi Amadis irait à l'ouest? Peut-être qu'il y a autre chose dans la région. Tout m'a l'air abandonné, pourtant.
Oh, 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 ça c'est bien, ça. Ça, ça me plaît, ça, j'aime bien. Un Outaru ? Faux. Qu'est-ce qu'il fiche ici ? Il a peut-être vu Amadis. Demandons-lui. C'est moi qui ai le retard. Vous avez raté le départ du... Vous inquiétez pas. Je ne veux aucun mal au Karja. Je suis seulement un vieux ferrailleur qui apprécie la compagnie. Je suis Lel. Vous devez être perdu. Pour tout dire, nous recherchons quelqu'un. Un chasseur Karja. Juste un voyageur solitaire, portant des vêtements probablement usés. Oui, il est venu ici. Il a fouillé le vieux champ de bataille. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Heureusement pour lui, le vieux Lel connaît bien toutes les histoires. L'armée Karja a violemment chargé les patients Ténac. Beaucoup sont morts, mais certains, les Ténac, les ont emmenés. Votre homme voulait savoir où. Et il se trouve qu'on m'a parlé d'un lieu appelé Kari. Qu'est-ce que c'est ? Une prison Ténac, ou bien un cimetière Karja. Ce serait peut-être plus approprié. Où se trouve cet endroit ? Plus loin, à l'ouest, en territoire Ténac, mais ça ne l'a pas arrêté. Une caravane Océram campait à deux pas du champ de bataille. Elle se rendait pas très loin de là. Il l'a rejointe. Ils sont partis à l'ouest, vers la crête. Merci, Lel. On doit se remettre en marche. Faites bonne chasse, là-bas. Lel ! Allons à l'ouest, vers la crête, alors. Si on cherche cette caravane, on trouvera peut-être Amadis. Oh, je te suis. Ça s'arrêtera jamais. Rejoindre la crête... rejoindre les coordonnées, rejoindre la crête ouest... Et il faudra que je fasse ça qui est de niveau 10 aussi, évidemment. Oh là 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 là. Tu as dit qu'Amadis avait perdu quelqu'un de proche lors des combats. Tu crois que les Ténac ont emmené cette personne vers Kari ? Je l'ignore, peut-être. Je peux remplir ma bourse avec ça. Ça, on prend. La crête se trouve plus loin. On dirait qu'il y a un tunnel. Miskine. Mais ça fait de la peau de renard et ça c'est beau ça. Ok. Ça on prend. Oh, il y a des petits pots, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une carapeste. Elle ne nous a pas encore vu. Ça nous donne l'avantage. Grive et faucon. Comme au bon vieux temps. Indestructible. Pardon. Pardon. Indestructible. Ça équivaut à un world boss, ça, non? Je reconnais. Alors attendez, 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 ça c'est un problème ça. Détruire le carapeste. What, quoi? J'ai pas vu ce que j'ai pris, frère. Quoi? Impossible. 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 Frère, what the fuck? Attends, attends, attends. Quoi? J'y retourne. Ok. Une carapace. Elle ne nous a pas encore fait. Ça nous donne l'avantage. Grive et faucon. Comme au bon vieux temps. Très bien. Comment on peut faire des petits pièges là, les gars, hein? Ok, j'ai. Je suis un véritable.
C'est embêtant. C'est très 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 embêtant. Ok. Vas-y, Aloy, donne tout ce que tu as. Des munitions pour toi. Wouh! Exceptionnel ça. Ok. 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 C'est beau. Il est où le bordel là? Il est où le merdier là? Ok, j'ai compris comment le battre. Son seul défaut, c'est qu'en fait, il a une arme qui envoie plein de petits tac au tac, mon ref. Attention, hein. Par contre, ouais, une fois démonté, il y a moyen que je me... Je me régale. Une carapace. L'ennemi n'a pas encore vu. Ça nous donne l'avantage. Et il est beaucoup, comme au bon vieux temps. Ok. Ok. On va essayer de rester par ici. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, toi, bichette? Oh, c'est beau. Oh non. Ok, là j'ai besoin de concentration. Ok. Ok, 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 j'ai compris, j'ai compris. Okay.
Ok, bon. Un épisode en bonté. Oh, bonté divine. Bonté divine. Chiche. C'était tendu. Allez, let's go. Let's go pour la suite de notre aventure. What the fuck. Qu'est-ce qu'on vient de faire là, les gars? Incroyable. Il y a eu un éboulement. Ok. Ok, on save. Je vais faire une sauvegarde manuelle et on va s'arrêter là. Incroyable. C'était tendu, les gars. C'était très tendu. Waouh. Je peux tout affronter maintenant. On va juste récupérer peut-être la récompense ici, je ne sais pas. Te voilà. Allons-y. Oh non. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ok. C'était une sacrée quête, ça, en mode difficile. Attention. Il faut une sorte de code pour ouvrir la porte. Je peux pas y faire grand chose pour l'instant. Ah, embêtant. Ok, on peut au moins passer par là, les gars. Il y a des provisions au sérum. Et une impasse. De la boue explosive en dessous, en voilà. Oh là 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 là. Et c'est ça qui me permettait, bah bien sûr. Pas grand chose d'autre ici. Autant revenir dans le tunnel principal. Ok. Retournons au tunnel principals. Ah d'accord, ok. Salana, ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ah merde. Dans les gravats. Ah merde. Finito. Un océram. Qu'est-ce que ça dit? Il faisait partie de la caravane qui est passée ici. Ça se finit brutalement. Lorsque l'éboulement a commencé, j'imagine. Oh. Mais il n'y a rien qui évoque un chasseur Karja. Et une autre caravane a pu passer avant que tout ne s'effondre. On dirait qu'ils ont rejoint un point d'eau de l'autre côté. Alors il y a une chance. Est-ce qu'on peut passer ailleurs? Je ne sais pas. C'est très escarpé ici. Alors, je trouverai un moyen. Merci, Aloy, de m'avoir accompagné. Mais je t'ai pris assez de ton temps. Tiens, prends ça. Ça t'aidera lors de ta chasse. Attends. Comment je te contacte si je trouve un moyen de franchir la montagne? J'irai voir Milou à l'écho de la pierre de temps en temps. Si tu trouves un chemin, va le lui dire. D'accord. Bonne chance. Toi aussi. Oh, y a intérêt que ça régale sans XP, je vous le dis. Beaucoup s'inquiéter pour son ami. J'aimerais pouvoir faire plus, mais on peut pas traverser ces montagnes pour l'instant. Et ben voilà. Voilà, ça régale. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. On se retrouve bientôt pour la suite avec la dernière quête annexe qui nous reste. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.